J'ai ri d'abord avant de vous annoncer. Duel entre deux généraux. Vous connaissez l'autre général qui avait fui le Cameroun. Certains racontaient que où il avait fui avec l'argent des fidèles, il avait escroqué ses fidèles. Où c'est le général de Dieu, le général Dieu ne dort, où c'est Dieu ne dort, Camden, où il est réfugié, où c'est aux États-Unis, où c'est où. Dans cette vidéo, vous allez vivre un terrible duel entre ce général et le général Valsero. Avec Kankoka, c'est pas fini d'être. Ah bon? Oui. Action. Et ça va péter. Je m'adresse d'abord à tous les influenceurs. C'est comme ça que vous allez mourir mal. Hein? Mal. C'est la magie. Tu comprends, général? Hein, Valsero? Quelle misère. Quelle misère. Misère spirituelle. Misère mentale, insulte à Dieu. Ils ont abandonné Yoda. C'est l'évangile qui t'énerve. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas Kanguna qui t'énerve. Je sais qu'après ça, tu vas me dire que je vais à la clinique. On va à la clinique faire quoi dans une clinique dans laquelle on n'est jamais guéri? Plus de 2000 personnes, 2000 Camerounais, vont passer la nuit à l'esplanade du stade de Japoma. Parce qu'ils attendent un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui s'appelle Kanguka. Seigneur. Dans l'humilité, voudrait que pour une fois, je m'attendais que pour une fois, tous les journalistes influenceurs camerounais disent non, voilà un homme de Dieu. Tout ce qui se passe comme mise en scène, comme ce que vous voyez à Chaboma, c'est le diable. Seigneur. Seigneur. Mais c'est comment, non? Qu'est-ce que les Camerounais t'ont même fait, non? Mais c'est pourquoi ils sont dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Plus de 2000 personnes, on est au 21e siècle. On est à l'ère du nucléaire. On est à l'ère des relations internationales. On est à l'ère où les enfants travaillent pour fabriquer les petits gadgets, les petites applications, les petits, pour développer leur pays. Plus de 2000 Camerounais étaient de chez eux. Ils partent passer la nuit pour attendre un soi-disant homme de Dieu qui s'appellerait Kanguka. Adama, c'est quelle histoire ici? On dit quelqu'un ne connaît rien. Il va parler politique, ça le dépasse. Depuis politique, vous dépasse au Cameroun. C'est maintenant dans le cas de Dieu qui va. Quand ce sont les musiciens mondains, quand ce sont les matchs de football, quand ce sont des trucs de Bahal, vous, allons supporter. Mais un homme de Dieu, d'une simplicité, il n'apporte même pas veste comme nous, mon frère. Quand vous êtes arrivé à un niveau d'émasculation spirituelle, ça, ce n'est plus la spiritualité. Ce n'est même plus la sorcellerie. C'est pire. Posséder! Vous avez signé les pactes avec Satan. Vous allez mourir avec les pactes là au nom de Jésus. Soit vous délivre à force, soit vous partez mourir avec ça. Et que ceux-là, comme vous les voyez là, ils ne servent plus à rien dans la construction du Cameroun de demain. Ils sont devenus, je ne sais pas, je ne vais pas dire les serviteurs de Kanguka. Parce que Kanguka fait quoi? Pas les escroquer. Les autres, nous on vient, on fait les publicités, on met les panneaux dans le pays, on fait des croisades, on va dans les télés, vous dites Camden veut se faire voir. Camden veut se faire voir. On prend les offrandes aux gens. Vous voyez, ils font ça pour l'argent. Vous nous attaquez. D'accord. L'autre vient, il ne va pas dans vos télés. Il ne prend pas l'argent aux gens. Il ne vend même pas l'huile et l'eau. Et vous l'attaquez. Vous cherchez quoi? C'est dire, encore. Quand vous voyez des gens qui sont agglutinés comme ça en train d'attaquer Kanguka, c'est aussi les gens qu'on peut dire qu'ils ont abandonné dans la vie. Ils ont abandonné pour eux. Ils ont abandonné pour leurs enfants. Ce n'est pas que tu es possédé par le petit frère de Satan. C'est que c'est quoi ton problème? Ces gens, est-ce que vous croyez qu'ils peuvent se lever pour demander l'eau? Non, c'est des gens qui ont abandonné. Il va développer les routes. Donc c'est lui qui va développer vos routes. Regarde-moi les sorciers sans diplôme. Il va développer. Voilà. Au 21e siècle, en l'an 2023, un peuple se rassemble, 30 000 personnes dans un stade, pour écouter un homme de Dieu parler. Ça, c'est quelle aliénation? Aliéné toi-même, sorcier du village. Même dans les rêves, tu seras poursuivi, attrapé. Voilà des Camerounais qui sont en proie aux démons. Voilà des Camerounais qui sont en total envoûtement. Mais pas parce qu'on les aurait envoûtés, qu'on les a envoûtés, quelque chose. Non. C'est l'abandon. Et vous êtes fâché sur le fait que quelqu'un vient parler de Dieu.
je me disais que au moins pour une fois, dans mon cœur, je me disais que pour, voilà quelqu'un au moins que les Camerounais vont écouter. Que nous, on nous a chassés, pas de. Voilà quelqu'un que les Camerounais vont écouter. Même jusqu'à là, mon frère. Je ne sais pas si c'est journaliste ou influenceur, ou webtubeur, ou bien quoi. Tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Hein? Et que tout ce qui était problème d'argent, de pont, de route, de maison, de loyer, d'eau, d'électricité, l'école, l'aspirine, les Nivakine, tout ce qui chauffe la tête, danse, leur tête, c'est devenu qu'on les a maudits au village, c'est la sorcellerie. Donc la solution, ce n'est plus de lutter pour travailler, non, c'est d'aller prier Kangouka. Je crois qu'il y a un style de drogue là, qui doit être dans le... J'ai l'impression qu'il y a une potion magique au Cameroun. C'est-à-dire quand tu es né Camerounais, tu es tombé dans la potion magique là. Quelle déprime. Je ne sais même pas si Dieu est là-bas au ciel. Vous allez dire que Dieu doit beaucoup dormir. Des rébellions contre Dieu. Une potion de... Something is wrong somewhere. I don't understand. I don't know how to explain it. This is like if... Non. Mais bon, chacun se met dans la logique de ce qu'il veut croire. Il t'a fait quoi? Moi, je pose une question. Le monsieur ne veut pas créer l'église. Mais vous l'attaquez pourquoi? Parce que vous dites qu'il est, il ne prêche pas Dieu. Toi, tu prêches Dieu, on a vu quel impact. Mais nous, on ne peut que décrypter. Au niveau de la clinique, ça c'est des cas pathologiques. Mon frère, le gars là mérite. Il mérite qu'on lui donne la citoyenneté d'honneur. Je vous dis, laissez l'enfant de Trinité tranquille. Tout le monde, il n'y a pas les routes au Cameroun. C'est lui, c'est Christ qui va venir apporter les routes au Cameroun. Regardez-moi la sorcellerie. Que c'est le Kangouka là qui est en train de venir changer leur vie. On est dans la pauvreté. Hein? C'est avec ça qu'on ne peut pas développer un pays. On développe un pays par la prière. C'est-à-dire les gens souffrent même d'un sida mental. Le sida est syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Ça, c'est le sida que la plupart des influenceurs au Cameroun ont. Ah! Non, les enfants, tout ce que je peux vous dire d'abord, par exemple, quand vous voyez ça, vous comprenez très bien que pour le changement au Cameroun, c'est mort. Il trouve à redire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu quoi? Il a pris votre argent. Il vous a supplé. Il est allé dans les télévisions vous dit de venir. Parce que quand vous voyez 2000, 3000 personnes se lever, aller se coucher pour attendre Kangouka, ça veut dire que c'est foutu. Voilà un monsieur qui arrive. Pas d'affiche, pas de photo, pas de publicité, pas de culte de personnalité. Rien, rien. Il dit seulement, il est venu annoncer Jésus. Il prêche le message de la repentance. Il dit aux gens convertissent, abandonnez l'adultère, le mensonge, le vol. Un monsieur qui, dans son propre pays au Burundi, a refusé de s'afficher avec le président de son pays parce qu'il dit que le gouvernement est corrompu. Un monsieur d'une intégrité claire arrive au pays. Ah, mon frère, Camerounais, c'est vrai que vous êtes un continent. Le manque d'eau, de courant, d'électricité se transforme dans vos vies en sorcellerie, en voûtement. Continuez à vous attaquer à Dieu sur tout. On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un homme qui vous énerve, c'est Dieu qui vous énerve. C'est l'évangile qui vous énerve. L'absence d'eau, de courant, d'électricité, de pompe, de vie qui marche, de manger le matin, à midi et le soir, de dormir, ça se transforme dans vos vies en envoûtement. Donnez-moi un seul pays qui a été développé sans la prière. Un seul. Oui, l'incapacité que vous avez à vous lever pour vous battre, pour avoir l'eau, le courant, l'électricité, la vie, le bonheur simple, a transformé tous les problèmes que vous avez là en sorcellerie. Les États-Unis qui font office de référence ont été développés par quoi? Par la prière. Ce sont les protestants persécutés d'Europe qui sont arrivés aux États-Unis, ont créé les États-Unis. Se fuyant la Grande-Bretagne, l'État de Pennsylvanie, par exemple, créé par un homme appelé Guillaume Penn, qui était un Quaker, c'est-à-dire un homme des églises réveillées, et qui priait en tremblant. Étudiez l'histoire. Ces gens ne sont pas capables de se lever pour avoir de l'eau pour leurs enfants, une école pour leurs enfants, l'eau potable, une route qui marche, un hôpital avec les Nivakine. Ces points morts que vous voyez là, parce que là, c'est 3000 points morts. Et ils sont seulement l'expression d'un peuple qui a abandonné. Les Quakers. C'est
eux qui ont créé. Quand vous entendez parler de Hollywood, vous entendez parler de New York, vous entendez parler même des universités que vous rêvez d'envoyer vos enfants. Oxford, Harvard, l'université, toutes ces grandes universités-là, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui ont créé ça. Ce ne sont pas les églises. C'est le diable. C'est la manipulation. C'est le mensonge. C'est l'envie de faire la poudre aux yeux. C'est l'envie de convaincre. Dieu ne veut pas convaincre. Dieu ne cherche pas à convaincre les gens de le suivre. Par les tours de passe-passe, parce que ce que vous voyez là, c'est les victimes du tour de passe-passe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui applique le Zoltan. Vous savez qui est Zoltan? Zoltan, c'est le chien de Dracula. Et que c'est les gens qui appliquent le Zoltan dans la tête des gens qui ont abandonné dans leur vie. Oh, ça va? On a compris, non? Waouh! C'était comment, les gars? Trop chaud, non? Laissez-moi dans vos impressions en commentaire. Qui a raison et qui a tort? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.